Allez, un beau laboureur. C'est un emplacement idéal. Alors expliquez-moi un petit peu, expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Alors ici c'est la première cuite, c'est la première l'anguille en la charge avec la matière première. Après l'ébullition, ça monte à 70 degrés, ça passe dans le serpentin et c'est transformé en alcool. J'appelle le serpentin. Il faut attendre combien de temps avant que ça vienne alors? Ben ça dépend de la quantité, mais il faut une bonne heure quand même. D'accord. Une bonne heure avant que ça... Parce qu'on ne charge pas d'un seul coup. On charge progressivement, surtout la première. Donc là, c'est la première cuite. On va voir la repasse alors? Alors, la repasse. La repasse, c'est ce qui est sorti de la première. On la met dans la petite. Même système. C'est le premier jus. On va faire chauffer à bois aussi. Voilà, chauffer au bois. Ouais. Et puis serpentin, et après, bon, ben l'alcool, on la ressort, on la rentre à 30 et on la ressort, je la règle à 50. Ou 45, suivant les gens, comme surtout les fruits, je ne sais pas trop prendre. Voilà. Donc ça, c'est de l'alcool pur, hein, ça? C'est l'alcool. Et ça sera combien, là? En ce moment, en tête, là, ça coule à 60 à peu près. 60 degrés. 60, des fois plus, suivant la quantité. La grappe a été fermentée. Oui. Alors les grains paraissent presque intacts, mais le jus est dedans et l'alcool avec. Regardez. D'accord. Et qu'est-ce que ça devient là, le... Eh bien, le jus, c'est ce qui se transforme en alcool après. Et le résidu là, qu'est-ce que vous en faites? Le résidu, bon, mais ça va dans un jardin, ça va dans les. Parce que c'est très bon pour le jardin. Oui. C'est. Ça passe. Ça va, c'est cuit quoi. Donc il n'y a pas de pollution, il n'y a rien. Tout est bon dans le fruit. Tout, on récupère tout, mais ça fait de l'humus, quoi.